monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais faire un feuilleté fraise. Je pense les vrais, ils ont déjà eu cette recette sur TikTok. Elle tourne beaucoup dans les pour toi ces temps-ci. Donc, je vais la reproduire. On va voir si c'est bon ou pas. Hein. Suivez-moi, c'est parti. On aura besoin des fraises, c'est l'ingrédient principal de la recette. Un jaune d'œuf, du sucre de canne, mascarpone, sucre glace, crème entière liquide et bien évidemment la pâte feuilletée. Pour commencer, je vais pas te couper. Du coup, je vais juste regarder comment j'ai coupé ça. Ensuite, je prends un jaune d'œuf et je passe jaune sur toute la pâte. Ensuite, je vais rajouter du sucre au goût, mais vous pouvez aussi rajouter à la place du sucre vanillé, c'est comme vous voulez. Du coup, là, vous allez rabattre une partie de la pâte sur la pâte d'à côté. Vous faites ça en plusieurs opérations et je vous laisse observer. Une fois que j'ai fait ça, juste à rajouter du jaune d'œuf au-dessus pour la dorure. Du coup là je m'attaque à la crème chantilly, donc je prends la crème chantilly où il y aura un peu de mascarpone et par la suite je vais juste rajouter la crème liquide et puis je vais utiliser le batteur électrique pour pouvoir monter ma chantilly. Et pour que la crème chantilly soit sucrée, je rajoute un tout petit peu de sucre glace, c'est à vous de voir. Moi j'en ai mis un tout petit peu, mais au final je me suis rendu compte qu'on n'avait pas assez, du coup de ma chantilly elle n'était pas assez sucrée. Du coup j'ai rajouté un
un petit peu plus et voilà quoi. Une fois que j'ai monté ma crème chantilly, j'ai juste à soulever mon bol pour histoire de vérifier que ma crème chantilly a bien été montée. Du coup là je vais verser ma crème chantilly dans ma poche à vie pour quand je vais faire mon dressage et puis ensuite je vais mettre ça au frais. Mais j'ai pas montré la vidéo, mais il faut le mettre au frais ensuite histoire que la crème ne devienne pas liquide. Du coup, une fois mes feuilletés cuits, je coupe en deux pour pouvoir faire par la suite le pochage avec la crème chantilly. Du coup, là, je récupère ma poche à dos et puis je fais le pochage avec ma crème chantilly sur mes feuilletés. Je vous laisse observer. Et en plus, la première fois que je faisais cette recette, c'était vraiment la première fois. Et j'ai vraiment aimé faire cette recette parce que c'est une recette qui je trouve qui est très facile à reproduire, franchement. Même moi qui ne connais pas du tout en pâtisserie au niveau dessert, franchement, vous allez voir par la suite que j'ai vraiment d'être ça. Après avoir mis la chantilly, du coup, je vais disposer mes petits morceaux de fraises que j'avais coupés. Du coup là je vais rajouter la partie du dessus du feuilleté que j'allais couper avec vous. Voilà. Du coup pour la décoration je vais saupoudrer les feuilletés avec du sucre glace. Voilà, regardez mon beau dessert rapide et facile à réaliser. Donc, faut vraiment dire merci à TikTok. Hein, parce que TikTok n'existait pas là. Et le dessert, on allait rater. Bref, donc voilà. Voilà mon beau dessert. Vous pouvez le reproduire pour des invités qui viennent à la maison, pour les enfants. Ils vont dire, ah, maman fait des beaux petits desserts. Hein. Donc voilà, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.